Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société GBFKE. Donc, j'ai reçu le colis, j'ai déjà pris hier. Alors, c'est que... Ah, c'est quoi ça? Que du diamant de camouflage. Ah, ça je sais, c'est leur cadeau. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais eu un souci avec un ornement hibou chouette, tout en rose, là, magnifique. Et ils m'ont mis ça en cadeau. Il y a un trou, mais bon, c'est pas très très grave. Alors, on va regarder ce que c'est. Ah, c'est tout un assortiment. Ah, bah, tout est tombé. Ah, ils sont beaux. En plus, ils sont bien foncés. Regardez. Alors, je connais pas le prix. Je sais pas s'ils le vendent sur leur boutique. Alors ça, j'aime pas trop, parce que ça colle un peu partout, c'est pour éviter que la barquette glisse. Mais moi, j'aime pas. Une fois, j'en avais eu un, on m'en avait offert un, et j'aime pas. Alors peut-être que je le ferai gagner, si quelqu'un s'intéresse. Une barquette, deux barquettes roses. Magnifique. Tout ça, c'est, je pense, à ma petite Isa. Alors donc, on a les trois pains de cire. Et ça, c'est quoi? C'est un mini stylet. Oh, sympa. On va regarder. Des pochettes dans des pochettes. Désolée, j'ai les mains un peu bizarres, mais j'ai mis la main dans la javel et... Ouais, on dirait un mini stylet. Il est beau. Et des embouts. Dans un petit sachet zip. J'ai la main comme si j'avais les mains sales, mais non. Mes mains sont propres. Alors. Comme ceci. Ah ouais, c'est un mini stylet. Et on peut mettre un autre embout là. Sympa. Très léger. Hein. Je regarderai si je trouve le lien... Je vous mettrai en barre de description comme d'habitude avec tous les liens que je vous mets de la boutique et des articles. C'est sympa. Et ben, le prochain diamond painting, je m'en servirai. Puis vous avez vu, ça fait très joli. Là, j'aime beaucoup. Merci à vous. Comme quoi, ils tiennent vraiment leur parole et ils regardent les vidéos. C'est... Merci. Bon, ce sachet-là, je vais le jeter parce qu'il est, il est percé. Donc, je vais mettre ça de côté. Ensuite, j'ai choisi un joli sac. Là aussi, je sais pas. Ah non, ça, c'est un bout de papier, je sais pas quoi. C'est un sac. J'ai marqué « Femme verte ». Et il me semble que Isa l'avait fait aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un sac comme ça en toile, très joli. Alors, les articles sont à l'intérieur et le sac est assez épais parce que j'en ai déjà fait un, mais il n'était pas aussi épais. Les coutures sont bien, nickel. Assez épais, ouais. Alors, ça comme nickel. Je vous montre. Ouais, l'impression. Je vous montre le motif. Il me semble que Isa l'a fait. Tu me rediras, Isa, si tu regardes la vidéo. Très, très beau. Je vais essayer de... d'enlever la pliure, là. Voilà. Ah bah on a le, la petite étiquette. On a 6 symboles différents. Ça c'est bien pratique. On a le toolkit, la barquette, le stylet, le pain de cire, le toolkit, voilà, habituel. Et on a les diamants.
On a de l'argenté, un gros paquet. Ah, ce vert, il est magnifique. Du vert un peu plus clair, du jaune et des yeux de chat fastés argentés et deux diamants blancs fastés. Pardon, j'ai coupé, il y avait mon mari. Et en plus, il m'en faut qu'un pour ici et j'en ai deux à l'intérieur. Donc ce sac est au prix de 6,49€ sur la société GBFKE. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de la boutique et des articles en barre de description, comme d'habitude. Je remets ça dans le sac, je plie. Alors, on se retrouve pour la suite de la vidéo. J'avais coupé et je vous reprends que le lendemain, je vous avais fait voir ceci, ceci. Je me suis préparé un petit café. Pardon. Alors, j'ai choisi, on va regarder ceci. C'est dans une boîte comme ça. Il y a plein de modèles et moi, c'est celui-là que j'ai choisi. Mais je crois qu'il n'y est pas tous sur le site. Celui-là, il doit y être. Celui-là. Et celui-là. Les autres, je n'ai pas vu. Alors, la boîte est un petit peu scratchée. Et ça, c'est le transport. Je ne vais pas tirer parce que il y a un fil qui... D'accord. Alors. Voilà. D'accord. Oh, c'est un peu sale, c'est pas grave, je nettoierai. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu sale ici. Ah, elle est cassée. Vous voyez? Ouais, elle est cassée. Attendez. Je vais enlever le collant. Elle est cassée ici. Il y a une fissure ici. C'est une lampe LED. Mais je crois que c'est juste fissuré. Je ne sais pas si ça va se voir. Donc, on verra ça. Il y a le toolkit de base, style école barquette, avec le petit interrupteur. Je vais nettoyer ici. C'est pas très très propre. On va l'essayer, voir si ça fonctionne. J'ai ma prise à côté de moi. Il est au prix de 11,99€ sur le site de GBFKE. Alors, ça commence à se... comme ça. Voilà. Je voulais l'offrir à ma nièce. Alors. Il y a juste à mettre dessus. On met ça comme ça, je suppose. Juste à poser comme ça. Et on va voir si ça s'allume. Oui. Ça fonctionne. Mais c'est bizarre que... Si j'éteins ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, déjà, elle fonctionne.
Je nettoierai. Je pense qu'on doit plus l'enclencher dans les petites encoches à l'intérieur. Mais j'ose pas appuyer. Alors, je débranche. Voilà. Je nettoierai. Bon, déjà, ça colle bien. J'enverrai une photo comme quoi c'est fissuré. Ils ont pas de chance. À chaque fois que je reçois un truc, et ben, j'ai des petits boutons qui me grattent ici. J'ai plein de petits boutons, je sais pas ce que j'ai. Ça me gratte. Pas que je me gratte. Alors. C'est des diamants classiques blancs. Blancs. Gros. Tout en sachet zippé. Alors, on a des blancs classiques. Je ne sais pas si vous voyez bien avec ma lumière. Des bleus. Des roses. Des noirs. Encore des roses un peu plus foncées. Des jaunes. On a un comme ça et un comme ça. Un des coups, c'est pas recto verso, c'est juste recto. Ok. D'accord. En fait, il n'y a qu'une face. L'autre face n'est pas à faire. Ah, ok, d'accord. Je croyais qu'il y avait les deux faces. Et on a un comme ça. Ah, ils sont pas généreux. Hein. On a un là et un 7 là pour le nez. Donc, on n'en a qu'un. Et un seul pour le nœud. Ils sont pas généreux, ceux-là. J'enverrai la photo à GBFKE pour leur faire voir qu'ils regardent les autres lampes. On la fera en vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, j'essaierai de vous faire une vidéo. Attends, j'ai l'impression que vous voyez foncé. Ou c'est moi. Attends, j'ai mis de la lumière, mais... Je vais remettre ça dedans. Je prendrai une petite photo. Je mets ça comme ça. Ça, je passerai un petit coup d'éponge. Ensuite, dernier article que j'ai choisi. J'ai rechoisi un miroir. Ah bah décidément, tout est cassé. Tout est cassé à l'intérieur. Ah bah alors là, j'ai le miroir en 1000 morceaux. Voilà, le miroir. J'ai pas de chance dans ce colis. Je la mets de côté. Mais tant pis, nous avons le petit toolkit de base avec le stylet, les petites mousses. Ça, c'est si on veut coller le miroir sur un mur, mais moi je veux pas. La petite chaînette qui est très jolie. À chaque fois je le dis, mais c'est vrai. Avec des petites boules comme ça. Alors attendez que je fasse pas un nœud. Voilà. Une jolie chaînette. Ah, je suis déçue que du truc qui soit cassé. Mais ça, je pense pas que ça soit la boutique. Je pense que c'est plutôt le transport. Je pense que l'emballage n'est pas adapté. Voilà.
On a les petites attaches qui vont avec. Je ne vais rien perdre. Je remets tout dedans. Ce miroir sur le site de GBFKE est au prix de 10,89€. J'ai choisi ce modèle-ci. Ça, on a l'attache comme ceci. C'est du plexi, il y a juste recto à faire. Je voulais voir si ça colle bien, mais ça colle très très bien. Il est très joli, très très bien imprimé. Il va être dans des tons de vert et de rose. Alors, pardon, je pense que vous sentez à ma voix que je suis un peu déçue. C'est pas grave, on va essayer de faire un. Même pour trouver un autre miroir, je sais pas comment faire. Il faut trouver la bonne dimension. Alors, j'ai du vert, j'ai du rose clair, encore du vert, des yeux de chat fastés rouges, des yeux de chat, non, c'est pas des yeux de chat, c'est des ovales verts, et des cœurs, ah, j'ai des jolis cœurs verts. Regardez comme ils sont beaux. Ils vont où, les cœurs? Ah, c'est les cœurs qui vont là, dans les pics, ici, là. Là, 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 ça va être beau. De toute façon, moi, j'enverrai la photo. J'enverrai aussi le lien de ma vidéo. Vous avez bien vu qu'au déballage, tout était cassé. Je remercie quand même la société GBFKE pour leur confiance. Je pense que un emballage comme ceci à bulle, c'est bien. Mais il faudrait protéger la vitre avec autre chose en plus à l'intérieur, je pense. Dans un petit carton à bulles ou quelque chose comme ça. Je remets tout dedans. Je laisse ça en évidence. Je vais prendre une photo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dirai ce que m'a dit GBFKE pour mon petit miroir cassé. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.